qui m'a intéressé le plus dans le programme Talents Numériques. J'étais curieux en fait de rencontrer des nouvelles personnes venant de tous horizons, avec des parcours différents, mais qui ont une même passion autour de la technologie. Ces 100 jours ont été un voyage qui est incroyable, plein de rencontres, d'apprentissages. On avait la chance de voir le PDG de Huawei et de mieux comprendre la technologie, mais surtout l'impact de cette technologie dans notre vie quotidienne. C'était vraiment un moment d'équipe, un moment où il fallait se mettre dans la peau d'un entrepreneur. Cette expérience m'a montré que le numérique est nécessaire pour résoudre les problèmes du 21e siècle, que ce soit des problèmes sociétaux ou environnementaux. Tout au long de la semaine, avec les différents intervenants, on a pu parler des problèmes dans la société et des solutions qu'on pourrait envisager pour essayer d'y remédier. Le problème qui nous a le plus touché avec notre équipe est le gaspillage alimentaire. Alors, comme solution, on a essayé de mettre en place un service qui permettrait aux restaurateurs d'éviter tout ce surplus de nourriture et de mieux manager leur stock afin de pouvoir, sur le long terme, à la fois économiser de l'argent forcément sur leur budget et en même temps éviter le gaspillage alimentaire. Le programme, ça m'a permis de découvrir donc des gens qui n'ont pas forcément tous des backgrounds d'ingénierie ou des backgrounds techniques. Donc j'ai travaillé avec beaucoup d'écoles de commerce et de management, ce que je ne peux pas faire en temps normal. Et ça m'a permis aussi de travailler avec des gens qui sont issus de cultures différentes. Dans le futur, je souhaite continuer à mettre le focus sur les nouvelles technos, la 5G, bien évidemment le cloud computing et l'intelligence artificielle. Cette orientation va non seulement m'aider à monter en compétence sur ce genre de techno, mais également à aider les autres femmes à avoir ce genre de rôle dans les entreprises, dans la tech. L'idée, c'est de promouvoir cette place et de montrer à tout le monde que c'est possible d'avoir ces rôles-là et d'être successful dans ce genre d'entreprise.